Bonjour à vous YouTube, bienvenue sur la suite de Total War Warhammer, j'espère que vous allez bien. Nous ça va comme des gens qui sont reclus dans notre ville de Karakstrom et qui attendons eh bien, la deuxième attaque des orques qui vont pas tarder à passer à l'attaque je pense, genre maintenant. Est-ce qu'ils rattaquent ou pas? Ils rattaquent! Ils rattaquent mais ils sont pas fiers là. Là on va les défoncer. Là je pense qu'on va les défoncer. Mais on fait la bataille quand même. On fait la bataille quand même. On fait la bataille quand même. C'est marrant de faire les batailles qu'on peut gagner. C'est cool. Comme ça Poib il sera moins perdu. Je pense. Peut-être. Ok, voilà l'armée ennemie, donc elle est là plus nombreuse mais en fait ils sont plus beaucoup. Nous, on va, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre bien loin. Ah on va faire la technique que le mec m'avait dit de faire là. Je sais pas si vous vous souvenez, il m'avait dit tu mets ton armée dans un coin et comme ça ils peuvent pas te contourner. C'est exactement ça qu'on va faire les amis. C'est une putain d'idée de ouf. Regardez, on va faire ça. Toi tu vas avec lui. Donc. Toc 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 3. Alors regarde, je t'explique quoi. Je t'explique. Donc là on est en phase où on prépare notre armée. Donc tu vois, là je suis en train de ranger mes armées pour les raccourcis. Voilà, donc là je mets mon héros avec d'autres armées d'infanterie. Pareil, mon commandant avec d'autres armées d'infanterie. Tu vois, je les place un peu où je veux. Ici c'est mes archers, enfin mes arbalétriers pour les nains. Donc moi je joue les nains, hein, regarde, c'est des petits nains, ils sont tout mignons. Mes arbalétriers, donc ici quand tu mets ta souris, tu as leur portée de tir. Et ici j'ai mes catapultes. Et en fait, là le problème que j'ai, c'est que mon armée nain est une armée qui est très peu mobile. Donc le problème que j'ai avec les orques en face, c'est que tu vois, il y a beaucoup de, ils ont beaucoup d'orques montés sur des araignées, avec des cochons, etc. Donc ils sont très mobiles. Et le problème, c'est que... Ce qu'ils font, c'est que mon armée elle forme un paquet et eux ils foncent devant et avec leur truc super mobile ils passent sur le côté et ils me reprennent par derrière. Donc un viewer la dernière fois m'a dit, mais Unerva, ce que tu fais, c'est qu'en fait tu te mets dans un coin de la map comme ça, tu vois. Genre je vais me mettre ici avec infanterie, archer, infanterie, catapulte, dans un coin, comme ça ils peuvent pas me contourner. Parce qu'ils peuvent pas dépasser les coins de la map, parce qu'on est dans un jeu vidéo. Et du coup, ils sont obligés de m'attaquer de front. Et ils vont se faire def. Donc, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre armée un peu à la zone, comme ça, là. Comme ça. Oh putain, il y a Griff VOD. Vous pensez qu'il va me donner de l'argent? Vous pensez qu'il est là pour me filer un don? Je pense qu'il est là pour me filer un don. Même pas, je suis modo. Pourquoi tu serais modo? C'est malade ou quoi? Donc là, hop, donc là on les place juste comme ça pour les placer, hein. on va les déplacer tout de suite après. Bah ça va, mais tranquille, si c'est la famille. Ah ouais, tu peux ban Griff, tu peux time out Griff. Alors là, regardez, là on fait commencer la bataille, là tout de suite on met pause. Ok. Et là, on fait, alors vous, alors déjà on va placer les catapultes. Comme ceci. La première phase, ta race, la première infanterie, comme ça, les archers, comme ça, et la ligne d'infanterie, la dernière, comme ça. Et là, on pourra pas être contourné, et là, on va être très bien, et là, on va se mettre très bien, là, on va se mettre super bien même. Alors, courez, petit nain, courez vous mettre en formation. Regardez-moi ça, ils sont tellement bien rangés et tout. Donc là, je joue en qualité moyenne pour le jeu. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est moyen. Oh! Pour la ST du Meltdown. Merci, petit Griff 51 VOD. Merci de faire pleuvoir le petit nuage. Pour la ST du Meltdown. J'avoue! J'avoue.
Donc là, je suis en train de déplacer mes troupes comme ça. Alors là, je ne vois pas les troupes ennemies pour la simple et bonne raison qu'il y a une butte. Il y a une butte. Et comme il y a une butte, je ne vois pas les ennemis derrière la butte. Donc voilà. Ils sont moches, des nains. Bah, c'est des guerriers, quoi. Ils sont pas là pour... Hein? Mais non. Oh, vite. Ah, vite, et maintenant un univers alcoolique. Bienvenue à toi, mon petit. Bienvenue. Vu que les orques sont débiles, ils veulent battre l'armée et pas prendre la ville. Ouais, mais les orques sont vraiment cons, en fait. Donc là, vous voyez, donc là, il y a... Là, je me mets tranquille, tu vois. On se met bien. Et là, ils peuvent pas me contourner, donc ils vont foncer dessus comme des grosses merdes. Sauf que mes archers, ils vont les défoncer, et voilà. Donc, mes nains sont moches. Alors, attends, on va vérifier. Alors, fantassin de base, êtes-vous moche? Les longues barbes. Bah non, ils sont très beaux, mes nains. Ça, c'est les longues barbes. Là, vous avez aussi des longues barbes. Ici, vous avez les arbres à l'étrier. Regardez. Ils sont vénères, non? Oh! Oh, on a les catapultes qui tirent. Bon, je t'avoue que les techniciens catapultes, ils sont pas ouf, quand même. Ils ont une vieille gueule. Donc là, vous voyez? Et là, il y a mon chef. Un de mes commandants. Vous voyez, il est en mode, il s'en bat les couilles. Il lit son bouquin de sort, là. Et regardez, eux, c'est... Vous savez, ça, c'est Griff. Ça, c'est Griff. Et ça c'est les directeurs TV de... Enfin, c'est les directeurs de toutes les productions de DigiWave, tu vois. Là, t'as moi. Là, t'as DigiWave Pokémon. Là, il y a DigiWave Overwatch. Là, il y a Epicube TV, tu vois. Lui, c'est Epicube TV. Là, lui. Lui, c'est Epicube TV, regarde. Il a une gueule de mec qui joue à Minecraft. Tu vois. Et là, il y a Griff. Le maître tout puissant, tu vois. Et là, il y a tous les viewers. Tout ça, c'est des viewers. Ça, c'est des viewers. Et ça, c'est un raid du 15-18. Tu vois, là, il y a un raid du 15-18 sur le chat qui arrive. Et ça part en couille. C'est le chef, c'est Astérix. C'est ça, c'est... comment il s'appelle? Abracoursix. Donc là, voilà. Là, on en est là. Là, on en est là. Ils essaient de vous contourner, sauf que non. Il y a les limites de la map, mon frère. Votre seigneur se fait attaquer. Eh bah oui, forcément. Mais mon seigneur s'en bat les couilles parce que regarde, Griff il peut faire ça. Griff il peut faire ça, regarde. Par le feu, sois purifié. Et hop, il met le feu aux ennemis. C'est un malade, Griff, un peu. Donc là, on est en mode. On n'est pas trop mal, tu vois. Donc là, on se fait tirer dessus, mais c'est normal, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. SLT. Donc là, regarde, il y a le chef ennemi qui me fonce dessus, sauf qu'il a plus de vie. Il est un peu nul, il a plus de vie, et en plus, il est en train vraiment de me foncer dessus comme une grosse merde. Sachant que voilà. Alors là, on va se faire foncer dessus, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Car, on met le jeu en pause. Eux, votre but dans la vie, c'est de foncer là-dessus. Toi, tu fonces là-dessus avec ça. La go. La go. Go. Alors, il faut absolument que les archers focus les gros orques, les trolls en fait. Parce que les trolls n'aiment pas les arcs. Voilà, hein. Par jeu, les ours. C'est fort probable. Il faut absolument qu'ils focus les trolls. Parce que les trolls, c'est pas bien les trolls. Les trolls, c'est pas le bien les trolls. Donc là, go. Il faut absolument que j'attaque les. Là, go. Go. Go, voilà. Go. Je pense que c'est pas mal là. Il est où mon deuxième caporal? Mon deuxième caporal il va focus le chef. C'est un malade lui. Tout le monde a un ordre? Est-ce que tout le monde a un ordre? Oui? Bah allons-y alors. Et là, vous êtes prêts? 3, 2, 1, le bordel. Oh la traque! Ok, alors ils me déglinguent. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, les orques se relèvent. Donc là, les trolls sont en mode what the fuck? Il se passe quoi? Parce que les trolls, en fait, ils font peur. Mais en vrai, tu leur mets des mecs qui leur tirent dessus, ils sont en mode wouhou! Cassez-vous! Tu vois. Et voilà. Là, il y a le chef qu'il faudrait tuer, ce serait bien. Ce serait bien si on pouvait tuer le chef, ce serait vraiment cool. Donc il me faudrait une armée, il me faudrait eux qui tirent sur le chef. Only. Vous, genre vous aussi là, tirez sur le chef. Il faut absolument qu'on tue le chef. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce que c'est que ce... C'était quoi ça?
tellement de bordel. Donc là, c'est le bordel, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Là, il y a les trolls, regardez. Regardez les trolls comme ils sont vénères aussi. Oh, sa mère, on les vénère avec nos pagnes. On dirait les trolls de. On dirait les mêmes trolls que dans Harry Potter. Et là, le feu, hein, évidemment, le feu, c'est intéressant, le feu. C'est pas de mettre le feu. Hop, tu vois, les trolls, là, comme ça, ils sont en mode. Oh mon dieu, du feu et tout. Mais ils ont peur. Là, il faut du soutien ici. Soutien. Hop, là-dessus. La victoire est à portée de main. Sans blague. Par contre, vous faites quoi? Vous avez cru que vous étiez chez vous ou quoi? Ça va pas? Ah là, vous voyez, là, on a quasi gagné. Hein. C'est bien. Voilà, c'est quasiment terminé. Moi, ce que je veux, c'est que lorsqu'on gagne la bataille, en fait, on peut, du coup, pourchasser les FDP jusqu'aux confins de l'espace. Et moi, non seulement je veux les pourchasser, mais en plus, je veux essayer d'en tuer le maximum. Donc là, voilà, on a gagné. Hein. Là, on a gagné, mais Osef, on pourchasse. Alors, pas vous, par contre, puisque vous allez faire des conneries. Ça veut dire que vous allez taper mes propres troupes. Et j'ai pas vraiment envie de ça. J'aurais bien tué le chef ennemi, sauf qu'il s'est déjà barré, ce connard, et du coup, je suis niqué. Ce jeu, je peux pas y jouer avec mon deuxième écran, que ce soit en Borderlands, mon écran, ma souris se barre du jeu. Ah oui, mais moi aussi j'ai ce problème. Mais j'utilise AE en fait. J'utilise AE pour me déplacer sur les côtés. Et Medieval 2, mec, le meilleur jeu du monde, on est d'accord. On est d'accord que Medieval Total War, c'est le meilleur Total War au monde. Il y a un type tout à l'heure qui est venu sur le live en me demandant quel est le meilleur Total War et tout. Je lui ai dit, mec. Il m'a dit, genre, à quel Total War je dois commencer pour. Enfin, je joue pour commencer Total War. Je lui ai dit, Medieval de Total War. Direct. Bon, allez, on termine la bataille. Tant pis, on n'aura pas le chef. Mais Osef. Ah, je veux dire, ça fait trop plaisir que tu dises ça, tu vois, parce que j'ai exactement le même avis. Tu vois, Medieval Total War, c'est. C'est le truc, tu sais, tu fais une bataille personnalisée, tu prends la map du pont, tu mets que des paysans en face, et tu mets des putains de chevaliers, tu mets sur le pont et tu te la joues à la 300, tu vois. J'adorais tellement faire ça, c'était tellement mon truc préféré. Bon, cette fois on les extermine, hein. On exécute tout le monde, parce que bon, hein, ils commencent à me casser les noix ceux-là. Voilà, ils rentrent chez eux. Ouh, attention, ils vont former une horde plus grande peut-être. Attention! Oui! C'est la vérité vraie! Oui! Absolument! On attend. Hein. Bon, le chaos, je le vois pas encore. Mais à mon avis, ça va pas tarder à me tomber sur la gueule. Et j'en ai un peu ras le cul de repousser les ordres. Le seigneur de la fin des temps a été aperçu. Il est à la tête d'une troupe incroyablement puissante. N'allez pas l'affronter avant d'être dûment préparé. Ah, ça y est. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Regardez, c'est Arcaon. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ce bordel. Il est niveau 21. Il est niveau 21. Enfin, il est rang 21. Quoi. Putain la vache. Et du coup il est où? Mais il est tout prêt. Enfin tout prêt. Bon en fait non, il est pas tout prêt du tout. Mais il est pas loin. Donc ça vous voyez, ça c'est le chaos ça. Donc je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc le chaos est arrivé ici. À peu près hein, à peu près là. Et est descendu. Pour arriver là. Il va continuer à descendre évidemment. Donc le chaos, le but hein, très clairement, c'est t'arrives. Et voilà. Donc alors là, vous vous dites, oh, trop marrant et tout. Il y a encore des villes et tout, machin. Non! Non! Parce que les villes comme ça, c'est des villes qui ont été détruites. Pas pillées, pas occupées. Détruites! Elles n'existent plus. Donc là, regardez, le chaos est arrivé là, regardez. Détruites, 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 détruites. Dans les rivières, il y a quoi? Détruites, là aussi. Et bah partout. Et ça va continuer. Et ils vont continuer. Et moi, j'arrive là, avec mes trois villes, là, avec mes quatre nains. Et on va se faire poutrer la boule. Mais on a le temps de voir venir. Donc ça va.
Et en attendant, je vais encore repousser ces putains d'orques qui sont ici et qui me cassent les doigts. J'aimerais me préparer à ce qui m'attend. Et je ne peux pas. À cause des orques. C'est FDP qui s'en foutent. Parce que les orques sont en mode. Tu leur dis, bon les mecs, il y a le chaos qui arrive. On s'est pas trop aimé, on s'aime pas trop. Peut-être ça serait cool quand même qu'on puisse, tu vois, négocier un truc. Et là, les orques font genre, mais au pire, on meurt. Et toi, t'es en mode, ouais, mais mourir, c'est pas ouf. Et il fait, mais au pire, il nous arrive quoi? Je veux dire, on meurt. Et tu fais, ouais, font, oh, ok, Osef. Et du coup, ils s'en battent les couilles. C'est connard, ça ne veut rien dire ce que je dis. Bon, bref. Ah, Torim le rancunier a un point de compétence. Je sais même plus ce que je lui donnais à lui. Mais il a déjà tout en fait. Il a tout. Donc on peut commencer à lui donner des petites défenses en mêlée si c'est la famille. Et Capitaine Belle Blonde, évidemment, le Capitaine Belle Blonde, le fameux Capitaine Belle Blonde, qui va être implacable parce que ça c'est beau. Hop, et c'est parti. On passe. Bon, si les orques me rattaquent, je jure que je pète un câble. Je jure que je pète un câble et là, on va arriver à un stade où je vais devoir abandonner. Où je vais devoir abandonner cette ville là et la laisser aux orques parce que. J'ai pas que ça à foutre moi, j'ai un chaos à préparer. Oh, regardez! Ils continuent! Regardez ce bordel! Regardez les armées qu'ils ont, c'est un truc de fou! Ils sont en train de tout détruire. Je vais me faire défoncer. Mais vraiment. Je suis pas prêt du tout à affronter ce truc. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis pas prêt. En fait, il fallait être tout au nord. Peut-être t'es tout au nord-ouest. Tu vois, tu te mets tout au nord-ouest. Je vois, c'est tranquille. Les présages sont mauvais. Vous avez fait quelque chose qui a mis les dieux en colère. Alors, soit les dieux sont en colère, je perds 3 d'ordre public. Soit je perds 1000 d'argent. Non, mais je m'en bats les couilles des dieux. Qu'il en soit ainsi. Je vous m'enlevez pas mon argent. Alors, est-ce que je peux faire ça? Non, il faut toujours 4500. C'est trop. Beaucoup trop. Yes. Something we do. Hop. Je peux pas me permettre de continuer à. En fait, je vais faire ça. J'ai besoin d'une garnison supplémentaire ici. J'ai pas le choix. Eux, ça va. Ils ont été. Voilà, hein. En fait, cet avant-poste est important, il faut que je le garde. Parce que surtout, je vais pas arrêter de me faire attaquer par les orques là. Et j'ai besoin de défendre ce point. Et quand le chaos commencera à vraiment pointer le bout de son nez, genre vraiment. En fait, je pense que le chaos va arriver par là. Il va forcément arriver par là, le chaos, je pense. Donc, il faut que je défende cette ville ici. Il faut que je défende ça. C'est là que je dois créer une immense armée qui pourra justement défendre cette capitale. Parce que ça m'étonnerait que le chaos arrive de par là. Et si le chaos arrive des deux côtés, là, alors là, ça va être compliqué. Alors je vérifie un truc. Ok, let's go. Allez, on passe le tour. Oh, quelle bombière! Quelle bombière, tu as un point. Oh, bah parfait. Attaque dévastatrice, je prends. Je prends, c'est pris. Sachant que dans 2 tours, on a la compétence pour augmenter nos revenus de 10 ou 20%, je crois. Et ça sera pas négligeable. Alors c'est parti, les orques se reforment encore. Ils vont encore m'attaquer, je pense. Mais je vais tenir, je vais tenir. Oh, vous avez vu à quelle vitesse il se... Ah, regardez, c'est Arcao ! Il fait trop peur. Regardez, il détruit. What do you require of the Karazhan Corps? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Une alliance militaire. Y a pas de problème, mec. Je te rappelle qu'il y a le chaos qui arrive. Regardez. Pour ceux qui connaissent pas encore, qui n'ont pas vu les autres épisodes, quand vous cliquez sur votre faction, ou sur n'importe quelle autre faction, en vert, vous avez les alliés. En orange, vous avez la faction qu'ils ont, enfin les territoires qu'ils ont. Et en rouge, les ennemis. Donc, par exemple, vous voyez que Barakvar est allié avec moi-même. Et les Umvar est en guerre contre les Pauvertes. Moi-même, je suis ici. Je suis allié avec les Umvar, avec les Barakvar, je suis en guerre contre les Pauvertes, etc. Les guerriers du chaos, ils sont ici,
ils sont en guerre avec tout le monde et ils n'ont aucun allié. On en est là. Donc j'accepte cette alliance militaire avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, par contre, l'alliance militaire, c'est moi je reste quand même chez moi et démerdez-vous. Putain, le chaos quoi. Tellement drôle. Vous avez vu, au nord là-bas, ils sont tranquilles. Hein. Le chaos est passé, c'est bon, la vie reprend. Alors, un de nos alliés proches, un nain d'influence, membre de plusieurs conseils de guildes, a humilié sa famille par un acte lâche. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut pas que je perde de relations diplomatiques pour l'instant. J'ai vraiment besoin de ça. Oh. Donc là, je ne peux pas faire ça, c'est de la merde. Je sais pas si je construis ça quand même. Ça va être autant à construire. Ils font quoi les orques? On a vu, ils vont former une espèce d'énorme wag pour venir me faire chier ici. Ça devrait passer. Est-ce que lui, il a fait de construire ça? Parfait! Ça veut dire que normalement, je peux prendre... Pas du tout. Pourquoi? Je peux pas recruter des... Ah non, c'est les garnisons. Ok. Ah oui, parfait. J'ai une très bonne garnison dans ma capitale. Hein. Ça, y a pas de problème. Donc la garnison, c'est l'armée qui est de base dans la capitale. Plus mon armée qui est ici. Hein. On est d'accord. Bah écoute, pour faire ça, il me faut... 4500, donc normalement je devrais l'avoir au prochain tour. Donc je vais passer mon tour. Mais il faut que je commande le truc et qu'il soit construit. Et je crois que le temps que ça me prendra, ça va être très chaud, les enfants. Très chaud. Regardez, continuez à avancer. Ah, il est là, le seigneur de la fin des temps. Donc c'est lui l'homme à abattre. Enfin. L'homme intuable à abattre. Il s'appelle le seigneur de la fin des temps, c'est pas pour rien. Hein. Je vous le rappelle, au cas où vous l'avez oublié. C'est pas facile la vie. Ah là là. Bon. Peut-on lancer le lancement de la construction des bâtiments? Est-ce possible? Oui. Parfait. Ok. Ici, nouvelle technologie. Du coup, on va... Putain, il faut continuer à faire ça. Ça, j'aurai encore plus de thunes. Encore plus de thunes. Ok. Sur ce, les amis, on sauvegarde. On va arrêter le record là pour YouTube. Merci à vous d'avoir suivi ces épisodes sur Total War. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vivement la semaine prochaine qu'on continue. Des bisous, à plus tard. Salut à vous.